Noël. Il se réveille seul. Non pas que ses proches aient cédé au plaisir du silence, mais ses désirs, eux, ont succombé à l'envoûtement que porte la solitude. Ce sont cependant les échos spectraux des absents qui remplissent les cloisons de verre qui trônent au pied de son tombeau. Au loin, ce n'est pas la neige qui vient vêtir ce nom tant à aucun autre pareil. Le firmament enflamme sa toile peinte dans un éclat qui se veut magistral à l'aube et désuet pour ce qui restera de la journée. Il tente d'apercevoir les failles qui apparaissent, celles qui craquellent les bordures que contiennent ces désillusions. C'est au sein de ces fleurs chimériques que se tient son enfance. Allongé sur l'autel de cette occulte cathédrale, un corps froid, de marbre blanc, dont les veines retiennent toute la magie qui compose l'innocence protégée. Tu as l'air grave dans tes dernières vidéos. Il est vrai qu'il a l'air frappé d'un sérieux qui s'espère le masque de la maturité. Lorsqu'il revoit ses anciennes représentations narcissiques, il s'agit là d'une innocence non composée, négligée, car naturelle. Désormais, il se fait le garant de ce trésor posé auprès des sépultures de ceux que l'on aimait jadis. Y a-t-il eu une nuit où cette ombre que compose d'âge adulte aurait pénétré sa chambre pour violer de sa stature l'esprit de celui qui tente la grande quête? Voilà ce qu'est réellement Noël. Le deuil de cette enfance que l'on ne retrouvera plus. Il pleure cette absence chaque jour et ainsi il s'en va devenir son chevalier servant, frappant son crâne contre ces fines parois qui retiennent toutes les représentations de ce que l'on aurait voulu accomplir. Il ne veut rien devenir. Il constitue celui qu'il se doit d'être. Il a levé le voile qui dérobe les yeux de cet ailleurs que l'on susurre. Il n'est déjà plus, si ce n'est ce saint obscur qui tente de faire émerger ses rayonnements à coups de paroles, de mots, de traits, de gestes précis et exigeants. Chaque mouvement, chaque respiration se doit d'être cette main qu'il tend vers le royaume. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il ne voit pas le visage d'ange que lui a attribué l'absence d'un dieu, mais il perçoit le monstre qu'il dessine sur son enveloppe. De ses cicatrices apparaît l'enfant sauvage qui trônera toujours. Il veut se faire monstrueux pour se retirer du reste de l'humanité et ainsi espérer la transcendance qui lui permettrait de rester dans ce paradis de l'innocence
dans cette solitude royale qu'offre le désarroi face au mystique. Il ne sait s'il a réellement des amis, ou s'ils ne sont pas seulement les spectateurs de sa vie, tout comme lui-même est le public de la leur. À tous, se faire spectateurs de ces ombres qui se déploient sur les murs de nos cavernes, nous oublions la source lumineuse qui crée ces silhouettes. C'est de cette matière-là, inconnue, qu'il forge le poignard qui défigure son visage. Dans cette innocence de l'enfance règne la véritable mort, enlaçant éternellement les cadavres de nos vies échouées sur les roches qui retiennent l'écume de nos amertumes, de nos rêves avortés. Lui préfère se faire le déraisonné du monde, l'insensé, quitte à périr dans ce jardin qui se voudra probablement l'ersatz d'un paradis une fois la nuit tombée. Il traîne sa chair dans cet espace qui n'en est plus un. Il retire les leçons qui s'enlacent au coin d'une rue oubliée. Il remonte les côtes du silence monacal, tout en guérissant ses apparitions qui se veulent les victimes de cette maladie du temps. Sur lui, l'amertume dégouline. Et si rêve avorté il y a, il s'agit alors de ceux que les gens déposent sur sa funeste dépouille. Se fait sublime tyran, se couronnant lui-même d'épines d'or, dans une lumière irradiante qui se croit la réponse que l'on murmure à chaque question posée. Et ainsi, chaque année, lorsque les chaumières accueillent les mœurs fabriquées, il se dépouille pour laisser place au rituel du sens. Dans cet événement qui n'en est un que pour lui, il salue la grâce qui épouse les silhouettes qu'il porte. Il dépose ses lambeaux sur un sol qui se voudra audacieusement héroïque un jour et il célèbre la naïveté des nimbes. Il espère que l'on rira de lui, qu'on le lynchera devant chaque église pavée de marbre noir. Car seul peut-il, de cette souffrance, de cette solitude précise, de ces rires qui retiennent toute la déchéance de l'humanité, retirer le savoir capable de lui offrir le salut. Il perçoit alors la vie tel un marécage au-dessus duquel il faut voler élégamment et honnêtement. Et ainsi, en prince ténébreux, il pleure l'enfant.